안녕하세요. 프렌치 TV의 김정환. 롤라입니다. Que va-t-on faire aujourd'hui? Alors, Johan a aucune idée de ce que j'ai prévu. Alors, Johan, déjà, est-ce que tu peux nous dire ça? On se sépare? Ça fait combien de temps que t'es en France? Oh non, tu vas pas me tester. Tu m'entends? Dis-nous, ça fait combien de temps que t'es en France? Ça fait 6 ans que je suis là, mais je parle pas vraiment bien le français. Il est arrivé en juillet 2015 pour faire ses études. Je suis étudiant en coréen qui cherche un appartement. J'ai pas de garant, j'ai pas d'argent, comment je fais? Est-ce que ça vous intéresse une vidéo où il raconte à quel point ça a été la merde pour lui quand il est arrivé? C'est un documentaire. Bon, ouais. Cette année, ça fait 6 ans qu'il est en France, mais parfois dans nos conversations, je me rends compte que c'est pas parce que ça fait 6 ans que t'es en France que t'as toutes les références quand je parle. Je vais faire un petit quiz à Johan. Connaît-il vraiment notre beau pays qu'est la France? C'est un quiz inspiré par la vidéo que Parisien TV avait fait. J'ai pas pris la même chose, mais c'est la même idée. Je mettrai la vidéo de Parisien TV en description. Tout d'abord, je vais te montrer des gens et je veux que tu me dises c'est qui. Sarkozy. Oh. Regardez cette magnifique coque de téléphone. Oh, yeah. Qui est cette personne? J'ai pris des grandes personnalités quand même, genre françaises. Tout le monde ici sait c'est qui. Il est en forme, il est vivant, j'espère. Il est vivant, il est vivant. Oh, moi, j'ai aucune idée. Acteur. C'est un acteur. Il est beau ou pas? Il est très beau. Honnêtement, j'ai jamais vu. J'ai quand même regardé quelques films français, mais même Hollywood. Vincent Cassel. Il a gagné un Oscar et tout. Alors, tout ce qu'il a fait dans sa carrière n'est pas digne d'un Oscar. Mais pourquoi il s'est caché? Je l'ai pas vu. Il était dans la pub Nespresso avec George Clooney. Genre, il a fait What Else avec George Clooney. What Else? Bah, je connais George Clooney. George Clooney. Vas-y, c'est qui? Dis-moi. C'est Jean Dujardin. Jardin? Jean? Oui. Dujardin. Il a fait le film The Artist qui a gagné l'Oscar. Si, oui. Bon, après, il a aussi fait Brise de Nice. Ça, c'est autre chose. Ah, ça? Mais j'ai pris des personnalités quand même qui sont connues à l'international. Pas en Corée apparemment. Qui est cette personne? Ah, my love. Sophie, my love. C'est qui? Sophie Marceau. Sophie Marceau est à peu près citée dans tous les livres d'apprentissage du français. C'est vraiment la référence culturelle. Pour la génération de mes parents, là, vous, vraiment, c'était une référence du film français, je pense. Écoute, Sophie, si... si tu me regardes, call me. Qui est cette personne? Ah. Non, c'est pas lui. Oui, je sais. On a téléphoné ensemble avec Manu. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Mbappé. 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 C'est quoi son prénom? Mbappé. Non, mais c'est quoi son prénom? C'était pas M Mbappé? Non. T'es sérieux? Georges? Georges Mbappé. Serge. Serge Mbappé, pourquoi? Kylian. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Ah bah, j'ai appris un truc aujourd'hui. Bah, j'ai cru que vraiment c'était M Mbappé. Ah. Ah oui, non mais je l'adore. C'est qui déjà? Bah évidemment. C'est qui? Tu la connais pas? C'est qui? C'est une belle femme. C'est qui? Ah, elle a filmé aussi Taxi 3, Taxi 2, je sais pas, Taxi 1, j'en sais rien. Non, elle est très connue. Oui, elle est. Elle est la copine de Eva Green. J'en sais rien, je suis pas dans sa vie. C'est assez faux, je sais rien. Là, Marion, oui. Marion, Côte d'Ivoire. Marion Cotillard. Tu sais pour quel film elle est connue? Pour lequel elle a gagné un Oscar, c'est ce qui a propulsé sa carrière. Catch Me If You Can. Non. Bah, quand je l'ai découvert, c'était le film Catch Me If You Can. Donc en français, c'était. Bah, il était pas jeu. Dedans. Si, bah, si. Qui est cette personne? Allumez le feu. Merde. Oh, tu peux pas chantonner sa chanson, mais pas sans qui. Merde. Ah, le prénom, c'était. Attends. Je le connais. Ça compte, hein. Ah mais j'ai sorti quand même. Allumer si le si feu. Jamais on avait pu s'en sortir comme ça pendant les contrôles à l'école. Jean. Johnny Hallyday. Ouh. Et là-bas il s'appelait Jean-Philippe Smet. Ah bah c'est pour ça que j'ai sorti Jean. Qui est cette personne? Ah. C'est qui? Philippe. Philippe quoi? Chavest. C'est fou. Oui.
Mais du coup, tu dis mieux que certains Français. Il y a plein de Français qui n'arrivent pas à dire son nom. Etchebest. Philippe Etchebest. Philippe Etchebest. Le voir crier sur des gens en regardant des cuisines dégueulasses, j'adore ça. Ce que tu fais, c'est de la... Qui est cette personne? Oh. Je pense que je la connais. 80% sûr. Tu la connais très d'où? De... Cougar. Cougar? Ah merde, c'est pas elle alors. Si, si, je crois que c'est elle, mais c'est oui. Chaud de dire ça à quelqu'un. C'était une blague, c'était une blague. Hein. c'est la femme de président. C'est comment ça s'appelle? Brigitte. Brigitte Macron. Ça va, il connaissait. Ah, il a dit la femme d'Emmanuel Macron. Qui est cette personne? Je pense qu'il est pas acteur. Ni chanteur. Il est connu? Ah ouais, surtout en ce moment. En ce moment? Ah, je peux te dire que là, depuis 6 mois, on l'avait quand même vu beaucoup, toi et moi. Et tout le reste des Français. Ministère Santé? Je suis pas loin. C'est l'idée, mais bon, tu sais pas c'est qui? C'est le Premier ministre, c'est Jean Castex. Lui, et pourtant, on l'a vu, hein. Depuis 6 mois, dans chaque annonce, toutes les semaines. Il était pas sur la vidéo de MFly. Et... Non, il était derrière Emmanuel Macron en train de faire des photos. C'est vrai? Non, je sais pas. Il s'en sort pas mal, mais maintenant j'ai 2-3 questions pour toi. Encore? Il y a des gens qui regardent, et évidemment, il me prend comme un con là. Il te prend pas pour un con. Tu es con. c'est pas ta faute. Ok, cite-moi un chanteur ou une chanteuse française. Ah bah c'est super facile, hein. Oui. Il est où le bonheur? Il est où? Bah, c'est qui? Mbappé. Non, on le dit pas. J'en ai rien à foutre les gens, les prénoms, j'en ai rien à foutre. Il y a des Piaf. Bah, David Guetta, Daft Punk. Genre, oui. Même si tu vas pas dans le classique français, il y a des Français qui sont extrêmement connus. On en est là, sur la modernité. Hyper Edith Piaf. Bah, j'ai pas le choix, je suis obligée de le prendre. Cite un film français. Ratatouille. Mais attends, mais Ratatouille, ça parle de la France, mais c'est pas français. Ok, quand on a commencé à sortir... Putain, je suis trop gentille, je l'aide. Quand on a commencé à sortir ensemble et que je t'ai présenté ma famille, tu m'as dit, est-ce que ta famille, elle va être comme dans le film? Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu? Alors, c'est vraiment pas un classique. Est-ce que ta famille, il ressemble à dans le film? Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu? Intouchable, tu l'as pas vu? Si. Dans un film français. Cite un plat... Bon, hyper facile. Cite un plat typique français. Raclette. C'est suisse. Mais comment ça possible de tomber direct dans le pire piège qu'il y a au monde? Il a vu le panneau stop, il a couru dedans. Méga classique français! Kebab? C'est une blague. Dans la vidéo de Parisian TV, les deux Coréens ont dit kebab. Ah bon? Ouais, vous avez un problème avec les kebabs, les Coréens? Pot-au-feu. Oui, pot-au-feu. Quand tu demandes aux Français un plat typique français, le truc qui vient en premier, bah, bœuf bourguignon. Tartiflette? Oui, tartiflette aussi, c'est savoyard. Combien de fois la France a-t-elle gagné la Coupe du Monde? Deux. De football. Deux. Deux? Ah, c'est ta réponse, deux. Trois. Non, c'est deux, c'est deux. Ah. Quand? Tu peux dire? Oui, 1957. Ça te finit par 7, donc déjà, c'est pas ça. 98. Oui. Coupe du Monde. 2002, c'était qui? Mais chérie. Oui. On l'a regardé ensemble, la finale. Comment tu peux dire 2002? 2018. Oui. T'as eu chaud. T'as commencé à dire, attends, parce qu'en 2002, c'était... Gros, on l'a regardé dans cet appartement ici. Bravo, attends. Peut-être que dans 4 ans, ça fera 10 ans que t'es là. Peut-être on refera un quiz. Par contre, moi, le moment le plus drôle pour moi, c'est Serge Mbappé. Non, je suis désolé, je garde pas trop le... Je garde rien, en fait. Oui, non, il s'en fout. Il passe son temps à regarder la télé coréenne, voir les émissions coréennes, à regarder la bouffe coréenne. Je suis vraiment désolé, les gens, qu'on a... J'ai pas réussi de citer. Bon, je pense pas que Jean Dujardin va slider dans les DM pour nous dire... Comme ça, on me connaît pas, oh. Tu vois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à... Ça me plaît pas trop. À partager. Abonnez-vous, on sort une vidéo par semaine en rapport avec la Corée du Sud ou pas. Comme aujourd'hui, bon, c'est un Coréen qui a fait un quiz de culture française. Donc c'est un rapport à la Corée du un Sud. Un Coréen qui vient d'arriver en France. tu pourras prendre ta revanche, tu pourras me faire la même avec un quiz sur la Corée du Sud. On vous dit à bientôt et puis... Qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine. 다음에 봐요. 안녕. 안녕.